Aucun problème. Mais là, tu vas fixer le bord.
imaginer les premiers rendez-vous amoureux de quelqu'un sur ce banc, stressé. Ce banc en a vu des gens, il en a écouté des gens. Et s'il pouvait nous dire tout ce qu'il sait, crois-moi qu'on en apprend des choses. C'est un exemple évidemment. Tu peux remplacer le mot banc par ce que tu veux, d'accord? C'est pour donner un exemple qu'un petit objet de la vie quotidienne peut en dire des immenses choses. C'est vrai qu'avant, on passait devant, on râlait dans notre travail. Mais quand tu prends un peu de temps, tu peux t'apercevoir que la vie est très très belle. La vie est très très belle. Mais vraiment très belle. À toi de voir si tu veux la regarder positivement ou négativement. Là, qui vont dire, par exemple, un bain avec des choses écrites dessus. Je m'imagine tout de suite un couple d'amoureux, par exemple. Il y en a d'autres qui vont dire, un bain. Avec écrit dessus, oh, c'est des jeunes qui ne respectent aucun matériel. Ah, tu... tu vois, tu peux choisir un soi, ça ne va rien changer. Mais tu peux être négatif ou positif. À toi de voir. Personnellement, je te conseille le côté positif. Parce que le négatif, ça engendre du stress, de l'anxiété, un rythme cardiaque bien plus élevé. Et surtout, ça va sécréter de la cortisol, qui sont très nocifs à long terme. Entre autres. D'accord. Ah oui, en fait, pour ceux qui ne savent pas, pour les gens qui sont un peu stressés, mais qui s'en foutent, il faut savoir que le stress à long terme provoque de la cortisone. Et malheureusement, ça augmente de 80% les maladies de base. Autant te dire que si t'es stressé et qu'en plus t'as le corona, c'est pas fou. Donc c'est important de se détendre et de prendre le temps. Écoute, ressens et regarde tout ce qui t'entoure. Et tu t'apercevras que le monde est extrêmement, extrêmement petit. Ou extrêmement grand. Encore une fois, c'est toi qui vois le monde de ta façon. D'accord? Donc, voilà ta mission. Quand le confinement sera. Un objet peut apprendre des choses, c'est curieux. Mais bon, tu vois, on n'est jamais à court d'imagination, donc je suis sûr que tu vas faire des miracles. Moi, je te laisse dans ma forêt, je retourne dans ma grotte. Et je te souhaite une excellente nuit. Par ailleurs, j'ai augmenté la sensibilité de mes grottes. Dis-moi si ça s'entend, si tu aimes bien ou pas, d'accord? Dis-moi dans les commentaires. Je te souhaite une